שבת פרק 14, קטורזיים שביט, דף קז עמוד א'. מה שלום כבודו? ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם. שבת, שביט 14. Page 107a. Nouveau chapitre. Shmona Shratim. Ça va, Vliet? Carabin. Bien sûr, Shour et les Refouat, la Tzrahat, pour Holi Amou Israël, Bichlalam, les Abid David Hanania Pinto. רבי דוד דסודין, רבי שמואל בן ליבה ויצחק בן אסתר. גם לסופי יופי בת לאה, אלכסנדרה אסתר בת דונה פטריסיה, נועמי אבא בת לונה. עילוי נשמת? עילוי נשמת. מור זקני מחלוף בן לונה ואביו. מחלוף בן לונה ואביו. אביו אברהם מעין איתכם. שנפטרו לבית עולמה. כבוד הרב, בשורות טובות ביום חמישי לאשתי. בשורות טובות. יקש ברוך הוא ייתן לה בשורות טובות בעזרת השם. אמן. כל התוצאות יהיו תוצאות טובות. אמן. ומחות. אמן. תודה רבה. טוב. שמונה שרצים האמורים בתורה. דם פרשת שמיני, לא הוא on a dit tout ce qui est permis, tout ce qui n'est pas permis. Et quand on arrive aux insectes, il y a des shratim, il y a des reptiles, il y a 8. Il y a 8, si vous voulez, je vais sortir dans la Torah. On a besoin d'avoir le verset devant nous. Parashat Shemini. Parashat Shemini, c'est le chapitre 11, Yud Alev Vaikra, et le verset Kaftet, Lamed, Lamed Alev. Nous avons besoin de ces trois versets. Il est dit comme ça. וזה לכם התמה בשרץ, וסי סקיה אימפור ובו דן פרמי לריפטיל, השורץ על הארץ כרומפ של הטר, החולד והאכבר והצב למיניהו.
החולץ זה כל מיני טופ, חולדה, העכבר זה לסורי, הצב, צב זה כל מיני קרפו, כל מיני גרונוי. הצב זה גרונוי, למיניהו, והענקה, והכוח והלטאה. והענקה זה... והיריסון. והיריסון, הכוח. והלטאה. לטאה שלו לזר הכוח. ז'ון פאפה, ודיר פור כוח. Ici, j'ai une traduction de le crocodile. Le crocodile. Oui. Enfin, dans l'ordre des choses qui est présenté dans le Passouk, la traduction que j'ai ici, c'est ça. Le hérisson, le crocodile, suivi après du lézard, la limace. Et la limace, la chomet. Oui. Une chamet, c'est comme la top. Voilà. Il y a deux tinchemet, il y a la taupe, il y a la chauve-souris. Ah oui. Elle est atemeim lachem bechola sharetz. Voici ce qui est pour vous, tamé, bechola sharetz, kolanuge abahem bemotam mitma adaere. Tout celui qui touche leur cadavre, il est tamé. Juste pour soi. Bon, on va déposer les versets. Mais nous avons 8. Les 8, c'est ça. Acholed, Achbar, Atsab, Anaka, Akoa, Aleta, Achomet, Antin Shamet. Il y a 8. Alors, Shmonash Ratil, c'est 8 reptiles à Amurim Khatora. Celui qui touche un reptile qui est mort. Comment? Il faut qu'ils soient morts, pas vivants, non? Bien sûr. Ok. Je juste comprendre. Un être vivant ne peut pas de tout mal. Atamé. C'est ça. Ne transmet pas de tout mal. Seulement, nous, on nous a appris que même vivant, il ne faut pas le toucher. Ouais. Oui. C'est une bonne manière d'éviter la touma. Oui. Et en même temps, d'éviter des contaminations, parce qu'ils sont toujours porteurs. De microbes et de virus. Hatsadan, celui qui passe Shabbat, והחובל בהן, כי לבלס, החובל בהן, כי לבלס הוא כיפה, un genre d'hématome, c'est-à-dire il leur donne un coup, au point que le sang, il veut sortir, comme il n'arrive pas à sortir, il reste, et il laisse un hématome. C'est le sang qui s'est accumulé, coagulé. Est-ce coagulé à l'endroit où il n'a pas pu sortir. Pendant Shabbat, Hayab. Donc on a dit Hatsadan, Yahovel Bahen. Alors, quand on dit Yahovel Bahen, celui qui les blesse, ça veut dire que il y a une sortie de sang. S'il y a une sortie de sang, ça veut dire qu'il y a un or, il y a une peau qui laisse traverser le sang. Parce que si jamais il n'y avait pas de peau, le sang et le corps de l'insecte ou du reptile seraient écrasés.
Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de peau. C'est à la fois la chair qui est elle-même peau. Est-ce qu'on n'a pas oublié de mentionner l'araignée? L'araignée, elle a une peau. Elle a une peau, hein? Elle a une peau? Oui. Je le demande. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on compte l'araignée? Parce que, elle rampe, je ne sais pas. Il y a plusieurs qui rampent. Oui, c'est vrai, mais seulement ces huit, ce sont seulement ces huit qui ont une peau. Voilà. Charles Kassim Urmassim. Et le reste des reptiles, comme l'araignée, vous vouliez savoir. Oui. Mahovel Bahen Patour. Celui qui les blesse, il est patour parce qu'il n'y a pas de peau. Il ne sépare pas le sang de la peau. Et celui qui les chasse pour un besoin quelconque, il est chayav. Shelo le tzorech patour. Mais s'il n'a besoin aucunement de ce reptile, il est ça d'auto. Patour est Assour ou Patour Moutar. Patour Avalassour. Comment? Patour Avalassour. Patour Avalassour. Va. Vous réagissez avec moi, s'il vous plaît. Donc, Hatsadan le tzorech hayav, celui qui en a besoin, et il les chasse, il est hayav. Hatsadan shelo le tzorech. Patour aval assour. Mais à Hovel Bahen, Patour. Lui qui les blesse, c'est Patour. Patour. Maintenant, Haya Veof. Mais là, Rabbi Hatsadan El Sorech. Par exemple, s'il y a quelque chose, un insecte qui dérange, c'est le tzad parce qu'il est ennuyant. Est-ce que c'est le tzorech ou non le tzorech? Le tzorech, c'est pas du tout. Parce qu'il y a un dérangement. C'est pas du tout les chasser pour s'en débarrasser. Okay. Le tzorech, il a un besoin quelconque. Il en a quelconque de ça. Par exemple, Rabbi, le serpent, il fait partie de ce groupe, le Charge Katsim Romasim. Mais il n'est pas. On a dit ici, l'Irfoua, il est Hayav. Si on le prend pour son venin, par exemple, il serait Hayav. Si on le chasse parce qu'il dérange à la synagogue un serpent comme ça. Si on le chasse pour se préserver contre. Contre lui, mais pas pour avoir son venin pour un besoin. Voilà, les fois, c'est le tzorech, mais de lui-même, non. Et le tuer,
לחובל בהם זה נקרא? פטור. פטור אבל אסור. אבל אסור. נפה דו פו. Alors le serpent n'a pas de peau? N'a pas de peau. Ah ouais, mais là, le serpent, il est dangereux. Il y a quoi d'arrogue Tinoc? Moutal l'arrogoto. Alors, moutal l'arrogoto. Il faut le chasser, le neutraliser de manière à ce qu'il ne soit pas une sakana. Comment? Tu mets une cage, un seau sur lui avec une pierre lourde. C'est ça, et l'alourdir de manière à ce qu'il ne peut pas sortir. Et après Shabbat, tu peux lui couper la tête si tu veux, c'est ça? Il peut faire ce qu'il veut. Il peut amener un chargeur de serpent et le prendre. Avec une flûte. Haya Ve'os. Une bête sauvage et une volaille. Il y a deux sortes. Il y a ceux qui sont domestiques, qui vivent avec l'homme. Il y a ceux qui ne sont pas domestiques. Alors, on parle de haya, par exemple, un chien. C'est une haya, une bête. Hatoul, un chat. Ouf, un perroquet. Je sais pas, un pinson qui est en cage, il n'est pas en cage, il a laissé se balader dans le birchoto. Atsadan patour, celui qui les chasse, il est patour. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà. Ils sont en itzodim ve'omdim. Ils sont déjà captifs. Pris. Oui. Et du fait qu'ils ont une peau, un oiseau, il a une peau, si on lui donne un coup, il y a un hématome. Si on donne un coup à un chat, il peut sortir du sang de là. Donc, celui qui blesse, il est hayav. Et celui qui les chasse, parce qu'ils sont déjà chassés, patour. Et patour. Maintenant, Rashi Alav Shalom, il rapporte pourquoi l'hématome, il est hayav. Le sang. Il a sorti le sang. Qu'est-ce qu'il va faire avec le sang? Il ne va pas le donner à son chien, comme nous avons dit. Qu'est-ce qu'il fait avec ce sang? Pourquoi? Il est hayav. Alors, il rapporte deux explications. Une qui veut que lorsque le sang, il veut sortir, il teint de rouge la peau. Ça va, il teint. Et l'autre explication, c'est il est haya. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il est shohet. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Il est ou bien il teint la peau. Ou bien il fait perdre un peu shohet, la shahita, c'est sortir le sang de manière à vider de son sang, c'est-à-dire vider de sa vie, et tuer une personne. Alors maintenant, on va rentrer dans une grande discussion et qui nécessite
un peu de l'amdanout. Un peu de l'amdanout, c'est-à-dire il faut suivre le raisonnement de manière à ce qu'il s'incruste dans votre tête. La Gemara dit, Middekatane hachovel vehachovel bahem hayav. Le fait que la Mishnah dit vehachovel bahem, celui qui les blesse, soit hayav. Miklal, c'est-à-dire mashma, de là on déduit, miklal, je déduis de cela, des itlehu or. Ils ont une peau. Une peau. Mm-hmm. Parce que l'hématome, il peut se résorber ou le sang, il peut sortir. Même s'il se coagule, là, il fait un genre de bourrelet rouge. Il finit des fois par se résorber par à la longue. Mais ça, c'est une tolada de Shehita de la Shohet. Et le Shohet, c'est celui qui égorge. Celui qui égorge, il fait quoi? Il relève la Neshama de la chose. Ou bien il est Tsobea. Il teint de rouge. Alors on a dit, mais décartané. Puisque la Mishnah dit Vachovel Bahen Hayab, celui qui les blesse, le Hayab, Miklal de Itlehu, or, de là on entend qu'ils ont une peau. Une peau. Alors, Mankana, qui est l'auteur de cette Mishnah, qui dit Shimon Ashratim Amurim Batora, הצדן חייב והחובל בהן גם כן חייב כי ידי חייב alors qui c'est l'auteur de cette Mishnah? On veut savoir qui est l'auteur. Amar Rabbi Yoh Amar Shmuel Rabbi Yohanan ben Nurihi. Shmuel dit, c'est Rabbi Yohanan ben Nuri. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yohanan ben Nuri. Alors, il apporte une preuve. Comment c'est la preuve? Dites-nous, Rabbi Yohanan ben Nuri, Omer, Shmon Ashratim Ishlahen Orot. Dans Masechet Houlin, Rabbi Yohanan ben Nuri, il dit, il y a Shmon Ashratim, il y a 8 reptiles qui ont une peau. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? On vient de dire que du fait qu'on a dit à Hobel Bahen Hayab, parce qu'ils ont une peau, et qu'il les blesse, Miklal, de là on entend qu'ils ont une peau. Et si on veut chercher lequel des Tanaïm qui a dit cela, bien on a trouvé Rabbi Yohanan ben Nuri, il dit Shmon Ashratim sont dans la Torah qui ont une peau. Okay? Chez Islaïm Orot, ils ont des peaux. Jusqu'à présent, ça va. Mm-hmm. Oui. Ça va. Ça va se compliquer un petit peu. Rabba bar Ravuna Amar Rav. Rabba, fils de Ravuna, dit au nom de Rav. Afilote Marabanan, même si tu dis Hachamim sont les auteurs de cette Mishnah,
et pas Rabbi Yohanan ben Nouri. Alors il dit comme ça, Atkan, la plague Rabban Ali de Rabbi Yohanan ben Nouri, elle a l'aïnam tum'a. Voilà, voilà les choses qui se compliquent. Et Rabba Barabouna dit au nom de Rab, même si tu dis que c'est Hachamim, dis que c'est Hachamim. Mais on a trouvé que Hachamim, ils ont une discussion avec Rabbi Yohanan ben Nouri. Alors la discussion, elle se situe où? Au niveau de la Touma. Elle se situe au niveau de Orot. Or, ils ont un or que les Hachamim et Rabbi Yohanan ben Nouri sont d'accord pour dire que si on les blesse, ils sont khayab. Comment? Si on les blesse. Oui, à partir du moment où ils ont un or. Voilà. Si on les chasse, on les blesse, khayab. Comme Stam Mishnah. Alors maintenant, c'est l'auteur, c'est qui? Est-ce Rabbi Yohanan ben Nouri seul? Les Hachamim qui sont contre? Ou comme il a voulu dire Rabba Barabouna, que les Hachamim ne sont pas contre Rabbi Yohanan ben Nouri, quant à savoir que ces huit, ils ont une peau. Alors, pourquoi il y a une discussion? Pourquoi on a inventé Hachamim? Quelle est la discussion qu'il y a? Il y a une autre discussion, un autre volet de la discussion. Qui sont ceux qui sont metameim et qui sont ceux parmi ces huit qui ne sont pas metameim? Est-ce que c'est tous les huit qui sont metameim ou il y a une partie seulement qui sont metameim? Et c'est là où il y a la discussion. Ah, bah, les olam, je te dirais, les huit, ils ont une peau. Ils ont une peau. Vous comprenez, je vais doucement parce que c'est ça la finesse, la lame d'un autre. C'est qu'on est d'accord tout en n'étant pas d'accord sur quelque chose d'autre. On est d'accord sur un point, on est en désaccord sur un autre point. Et ça arrive. Moshe, Rabbi, Moshe, I know that you are air. I am not misupak in air. Air. I am yeshena in the air. No, yeshena, but in the air. Baruch Hashem. Eli. Atkan l'a plié jusqu'à présent, c'est-à-dire les Hachamim, quand tu dis c'est Rabbi Yohanan, tu as voulu exclure, toi Shmuel, les Hachamim. Moi je t'aurais dit non, pour Oroth, les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yohanan ben Nouri. Sur quoi ils sont Holkim, Rabbanan et Rabbi Yohanan ben Nouri? Atkan l'a plié Rabbanan Ali de Rabbi Yohanan. Jusque-là, les Hachamim n'ont pas été contre Rabbi Yohanan ben Nouri. Et là, les Aïnian Touma. Les Aïnian Touma. Dichtiv, et les Atemeim Lachem.
Alors, Rabotai, je reviens à mon texte. Vous voyez, comme les Hachamim, ils lisent la Torah, c'est impossible de lire comme eux. Ils passent la Torah à la loupe. Il dit, « Vézé lachem hatame basheretz. » Voici ce qui est pour vous tamé, basheretz. Vézé lachem. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ha-shoretz, ha-choled, ha-achbar, ha-tsav li minehu ve-ha-anaka, ve-ha-koach ve-ha-leta, ha-chomet, tin-shamet. C'est-à-dire, tous les huit, ils sont Métaméim. Métaméim. Vizé lachem, hatame. Qu'est-ce que tu viens par la suite me dire? Elle est hatameim lachem becholacheres. Qu'est-ce que tu viens me redire? Elle est hatameim lachem. Tu m'as dit, vizé hatame. Baba les rabot. אבל לרבות ולמעט אלה למעט לפסול ואלה להוסיף על הראשונים אבל אלה רק אלה אז מה זה אלה למעט לפסול Tandis que vous allez le aussi. Alors, elle est atteméim lachem. Elle est, Hachamim disent, voici les teméim. C'est les quatre derniers. Il faut couper les huit en deux groupes. Le premier groupe, visé à tamé, ils sont teméim. Aval, elle est atteméim réellement ceux qui sont metaméim bemotam. Un jour, c'est les quatre derniers. C'est Akoah Haleta Ahomet Atin Shamet. Alors il dit, elle est atteméim lachem. Elle est atteméim lachem. Un qui dit les rabots Shaorotem Kibsaran. אבל לעניין שבת אפילו רבנן מודו, יתם מאים לכם. יא סרטן קיום. La peau plus fine que d'autres, non? Ça, et quand il écrase, ça fait du sang. Il n'y a pas de habala. אבל תמי, היא לתמי, מתמי לו, בשר מתמי בכעד השעה. שורפת, אבותיי, זה... חכמים ידיס קונסם. Tous ces huit, Ken, Oran, Metame Kipsaran. Le or, du fait qu'il est fin, est considéré comme le bassar de l'insecte, et l'insecte, il n'est Mehayev. Que Kaadasham, pas entier. Afilou, une partie Kaadasham, comme une lentille. Une lentille. La dimension d'une lentille, il est métamé. Parce que le or est tendre comme le bassar, comme leur chair. Les Hachamim, ils disent
Tandis que Rabbi Yohanan ben Nouri, lui, il dit non, Hatemeim, les Temeim, seulement ces quatre derniers, les quatre premiers ne sont pas tamés. Pour Hachamim, tout est tamé. Le Or Kipsaram, Bekaadasha. Mais quand le verset est venu dire Elea Temeim Lachem, ça veut dire ça revient sur les quatre derniers. Et les quatre derniers sont ceux-là seulement qui sont Metameim, les Orot. Non pas comme les Hachamim. Hello, Rabbi, Al-Smachma, il amène d'Avka les quatre derniers, pas les quatre premiers. Parce qu'ils sont les plus proches de Elé. Et pourquoi quatre et pas trois ou cinq? Tu as raison, parce qu'il est dit comme ça. Le verset, il se scinde comme ça. Mais Elachem, Atame, Bacher et Sachores. החולד, האחבר, והצהל, ימנהו, והענקה. סבא? יענבי. הקטח. הכוח והלטעה והחומד, השמת אליה אתם מהם לכם בכל השארץ. זה נושא הכל. זה בא לדיר. יהיה דו פועבי. זה פוסק כמדו אפר הנערי, אנחנו לקד פרמי ולקד דרני. נסה? לא. Elle est rien qu'après. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter dans les premiers quatre. Non, il y avait Véhaleta, et après ça, Véhale Hatimeim. Oui. C'est pas Véhale, c'est Elle. Pas Véhale, c'est Elle. Alors il dit Avalayna Shabbat Afilo Rabbanan Moudou, ça veut dire que les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yohanan ben Nouri, Avalayna Shabbat, qu'ils ont un or. Ils ont un or, et puis le Hachamim sont modim. Ou le Inna Shabbat l'a pligé. Et tu vas dire que Rabbi Yohanan ben Nouri et Hachamim ne sont pas holkim. Le Inna Shabbat pour le or. Atania, Atsad et Hadmish Monashratim Amourim Batora Hovel Ben Hayav, dit Rabbi Yohanan ben Nouri. Nous avons une braïta, regardez la braïta, qu'est-ce qu'elle va dire. Tout celui qui chasse un de ces huit reptiles, Amourim Batorah, qui sont dit dans la Torah, Chovel Bahen. Celui qui leur cause une blessure. C'est ça, Hayab, pour les huit. Parce qu'ils ont une peau. Amim Amourim. En or, il y a de or, et là, ça va être plus clair. Et là, les machim manu hachamim, est-ce que les hachamim ont énuméré, compté, énuméré? Alors, il dit hachamim, adraba. Les machim manou hachamim en laim or. Parce que les hachamim, quand ils ont dit les quatre, ils n'ont pas d'or. C'est celui qui mange un reptile, il est mitraïb avec Kaadasha, parce que leur bassar et leur or, c'est la même chose. Et
אביי די אחי כאמר, אין עור חלוק מבשר, אלא למה שלא מנו חכמים. Il y a deux peaux qui sont différentes de la chair, basar, et là, les machelomans ou hachamim, ce que les hachamim n'ont pas compté. C'est, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compté? Ils n'ont pas compté les quatre premiers. Et les atimeim lachem, c'est les quatre derniers. אמר לרבה, למה שמנו חכמים, כאמר. סקיזון קונטה לחכמים, כאמר. אלא אמר רבה, אחי, כאמר, נעור מתמי כבשר, כבשר, אלא למה שמנו חכמים. זאת, סקלר? סקלר. סקלר. Les reptiles qui ont une peau qui se confond avec leur chair, ceux-là ne sont pas, on n'est pas khayab là-dessus. Avant la source. S'ils mangent kahadasha, parce que s'ils mangent de ce reptile, le bassard de ce reptile, les mitrayev, comme la hadasha, oui. Comme la, le reptile lui-même, oui. Qui n'a pas de peau. Alors, ici, on a une grande discussion. Comment faut-il comprendre? Qu'est-ce qu'ils ont compté les hachamim? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compté les hachamim? Et il y a une confusion. À un certain moment, est-ce qu'il faut dire les mashman ou hachamim ou les mashloman ou hachamim? En or, il n'y a pas de or à ceux qui ont été comptés par Hachamim. Ou alors dire les machelomanu Hachamim. Le or ne consiste pas du tout chez celui qui n'a pas été compté par les Hachamim. Baraba, il a été metaken, lui dit voici ce que un or metamika basar. Et là, les machemanou hachamim. Il lui a dit, c'est comme ça. Il y a de or qui est métamé lui-même, c'est-à-dire si quelqu'un le mange, ce or, généralement, un or n'est pas mangeable. Prenez la peau d'une vache, vous allez la manger. Non. Vous n'allez pas la manger. Donc, il n'y a aucune anor. Et prenez par exemple une peau d'un veau de lait. Son or, il se confond avec le bassard. Si jamais il est tamé, il est hayav aussi bien pour l'or comme pour le bassard. Le peau d'un poulet, croustillant. Aussi, voilà. Dehors d'un poulet, c'est sûr qu'il se mange. Pourquoi? Parce qu'il est, il est tendre. Alors, si c'est le cas, parce que quand la peau est plus épaisse. Alors, il n'est pas hayav alav s'il le mange. Baraba lui a dit comme ça. En or, metamé ka basar, il n'y a pas un or qui est metamé comme s'il mangeait le basar, que les mashman ou hachamim. Mashman ou hachamim. Bon, on va revenir là-dessus, Rabotay, je savais d'avance que vous allez buter là-dessus. Alors, ça prend deux ou trois cours pour que ça rentre bien. תודה רבה רבנו, פול הפסיון. תודה רבה. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Très bonne soirée. כל טוב. Il faut dire שנה טובה וכתובה. שנה טובה. שנה טובה. שנה טובה, מבורכת. שנה טובה, מבורכת. זה רואה, לפחו שן שיעור רבי, ססה.
je demande si il y a une possibilité à ce qu'on vienne vers 8h30 faire Tikkun Karet seulement, pas de Teilim et Sihot à minuit et demi. Ah, ce soir à minuit et demi, Rabbi? Non, d'abord à 8h30. Ah, ce soir à 8h30. Oui. Si vous pouvez venir, ça serait... Jérôme, tu prends la route maintenant. Peut-être. il va venir de Providence, vite, vite. Hein? On va le faire venir de Providence, vite, vite. Il va arriver pour les Sihot. Quelle heure il passe? 10h45? Ceux qui veulent venir aux Sihot à minuit et demi, ils viennent. On va arrêter le shiur sur Facebook. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.